Bonjour ou bonsoir, salam alaikum et bienvenue sur la chaîne YouTube El Mudarris, apprendre l'arabe autrement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager son lien internet sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, shukran jazilan. Dans cette vidéo, je souhaite vous partager un lien internet qui vous permettra de vocaliser les textes arabes que vous souhaitez lire. Il suffit d'un seul clic pour pouvoir justement vocaliser les textes en arabe. La vocalisation, pour rappel, concerne les voyelles que les mots en arabe portent. Les voyelles, ils sont au nombre de quatre, à savoir al-fatha, le très haut, al-dhamma, le petit nav, si on peut dire comme ça, al-kasra, le très bas, et al-sukun, le petit rond. Le site en question est tashkil.elsharah.org. Je vais vous mettre ce lien en bas de la description de cette vidéo. Essayons de découvrir ensemble ce site. Là, vous avez Nas Jadid, qui signifie un nouveau texte. C'est le texte que vous allez entrer dans cette case pour pouvoir le vocaliser. Là, vous avez en bas Teshkil Kamel, qui signifie une vocalisation complète ou intégrale. Ici, vous avez Teshkil Awakhir al-Kalimat, qui signifie la vocalisation des dernières lettres des mots. Et puis ici, Teshkil Ilzami, qui signifie une vocalisation obligatoire. Là, vous avez Abda al-Teshkil, qui signifie commencer la vocalisation. C'est là où l'on va cliquer pour pouvoir vocaliser le texte. Ici, Adif Tahliqan, qui signifie ajouter un commentaire, mais de toute façon, si on n'avait pas besoin de cliquer dessus. Donc voilà pour ce site. On va essayer de procéder à un test, un essai. On va voir ce texte que je vais copier-coller. C'est un texte de la première page du site internet Al Jazeera, aljazeera.net. Donc je viens de copier ce texte qui n'est pas vocalisé. Je vais essayer de le mettre ici, en coller. Donc vous voyez que ce texte en arabe n'est pas vocalisé. Il suffit donc de choisir Tashkil Kamel, donc une vocalisation complète ou intégrale de toutes les lettres composant les mots de ce texte, ou bien Teshkil Awakhir al-Kalimat, donc que j'ai expliqué, qui veut dire vocalisation des dernières lettres des mots, et ou bien Teshkil Ilzami, donc la vocalisation obligatoire des lettres qu'on doit justement connaître pour pouvoir lire les mots en question. Nous, on va choisir Teshkil Kamel, donc une vocalisation intégrale ou complète. Et il suffit donc de cliquer ici, Abda al-Tashkil. Je commence la vocalisation. Avec un seul clic, vous allez constater que le texte que j'ai mis ici sera vocalisé en entier. Donc vous voyez que le texte a été effectivement vocalisé. Tous les mots composant ce texte et toutes les lettres d'ailleurs sont vocalisés. On va essayer de lire. قال الكرملين مو الكرملان إن آلية تصدير الحبوب من أوكرانيا ترتبط بإزالة القيود المفروضة على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية وصرح الرئيس الأوكراني بأن بلاده تنتظر إشارة وإشارة وإشارة pardon البدء من تركيا والأمم المتحدة لبدء التصدير. Je peux vous traduire ce texte. Le Kremlin a déclaré que le mécanisme
d'exportation des céréales de l'Ukraine est liée à la suppression des contraintes, des limites imposées sur l'exportation des céréales et des engrais russes. Et le président ukrainien a déclaré que son pays attend un signal de début ou du commencement de la Turquie et des Nations Unies pour commencer l'exportation. Donc voilà pour ceci que je trouve utile, très intéressant, pour pouvoir vocaliser vos textes en arabe, pour pouvoir les lire avec un seul clic. Je vous mettrai le lien de ce site en bas de la description de cette vidéo. À bientôt!